Eh bien, bonjour tout le monde, ici Trong. Aujourd'hui, on va parler du Xcloud. Et je vais vous parler surtout du Xcloud, ce qui est arrivé sur les consoles Xbox. Donc voilà. Moi, en tant que membre Insider, ça y est, j'ai pu accéder au Xcloud depuis ma Xbox Series X. Et bon, hier, j'ai fait quelques petites games. Hein, j'ai testé quelques petits jeux. Et maintenant, je vais faire mon retour et mon avis. Et franchement, j'ai été ému. Je n'ai vu aucune, voilà, graphiquement, comparé à quand vous mettez un, quand vous lancez le jeu, c'est-à-dire quand vous téléchargez le jeu normalement, et quand vous jouez via le Xcloud, graphiquement, c'est pareil. Franchement, j'ai aimé. C'était super. Franchement, comme je dis, j'étais très ému. Et c'était bien, franchement, moi j'ai bien aimé, parce qu'en plus avec le Xcloud, l'avantage, donc vous lancez direct le jeu, pas besoin de télécharger, pas de mise à jour, vous n'avez pas d'attente, donc voilà, le jeu se lance tout de suite. Et franchement, j'ai pas eu de problème, si juste un seul jeu, c'est The Lone Dark. Alors, j'ai lancé le jeu, mais je sais pas, il ne reconnaissait pas la manette. J'appuyais sur tous les boutons, il ne reconnaissait pas la manette. Mais le reste, j'ai pas eu de problème. Hein. J'ai lancé donc Halo Master of Collection, pas de problème. J'ai fait le EA Star Wars Battlefront 2, pas de problème. Battlefield 5 et Rainbow Six Siege, no problemo. Franchement, il n'y a aucune différence. Qualité d'image, je n'ai pas vu aucune différence. Et franchement, alors là. Votre Xcloud Xbox, waouh, sur la Xbox. Alors franchement, ça même a l'air même mieux que sur le Xcloud sur PC. Parce que moi, voilà, alors, sur PC, donc, ça fait peut-être un moment que je ne l'ai pas refait. Mais moi, quand je jouais sur le Xcloud sur PC, des fois, voilà, bon, c'était plutôt le soir, et ben le jeu crachait. Bon, là, comme je vous dis, hier aussi, j'ai joué le soir. J'ai eu aucun crash. Donc, ben, j'espère que c'était réglé sur PC. Juste, je resserrai, mais. Sur Series X, franchement, j'ai été ému. Franchement, non, rien à dire. Bien joué Xbox, votre Xcloud sur le Xbox, nickel. Hein. Et c'est bien en plus très utile parce que voilà, tout le monde ne peut pas se payer la Xbox Series X. Hein, et même la Series S, parce que déjà la X, comme vous savez, il est en pénurie. Hein, donc les gens aiment bien les revendre plus cher. Donc c'est vrai que mettre 300 euros, 500 euros, ça fait un peu. Pour certaines personnes, c'est un peu dur. Alors, c'est vrai que si vous avez la Xbox One, donc l'avantage avec le Xcloud, vous pouvez jouer au même jeu que nous. Donc, hein, parce que la Xbox One, la grosse, la toute première, la fat qui n'a pas eu grand succès, hein, que vous pouvez trouver allez, dans un magasin cash à 100 euros, hein, vous achetez ça, vous prenez le Game Pass, et vous pouvez jouer à tous les jeux bon, qui est que dans le Cloud Gaming, parce que voilà, il n'y a pas tous les jeux qui sont dans le Cloud. Mais que ceux qui sont dans Cloud Gaming, vous pouvez le jouer sans problème. Et même les jeux qui sortira sur la X, sur la série X, vous pouvez y jouer via au Cloud Gaming s'il sera dans le X Cloud. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le X Cloud Gaming. Donc je resterai en essayant de streamer sur Twitch via ma console si ça marche. On verra ce que ça donne. Hein. Donc je mettrai quand même ma chaîne Twitch dans la description ceux qui ne sont pas follow. C'était trop gay, je vous dis.